Même si le ski est très populaire dans les Laurentides, ce sport n'a pas été inventé dans la région. Ce qui fait que les gens d'ici ne savaient pas très bien skier au début du 20e siècle. Pour remédier à la situation, les membres du Montreal Ski Club ont décidé de faire venir de la Suisse un instructeur de ski. C'est en 1911 qu'Émile Cochin est débarqué dans les Laurentides. Grâce aux archives cinématographiques du Musée du ski des Laurentides, découvrons ce personnage qui a eu un impact significatif sur le développement touristique et économique de la région des Laurentides et revivons l'époque du chalet Cochin. Avec l'arrivée du train, les skieurs sont de plus en plus nombreux à envahir les Laurentides. Par exemple, certains descendaient à la station de Sainte-Marguerite. Et de là, en carriole ou en ski, ils rejoignaient le chalet Cochin. Une question se pose. Qui est Émile Cochin? Voyez-vous, avec l'arrivée du train, les plusieurs skieurs qui étaient habitués à pratiquer leur sport sur le Mont-Royal, arrivent dans les Laurentides. Et là, on s'aperçoit que les côtes sont beaucoup plus abruptes, sont beaucoup plus longues, et que notre technique de ski n'est pas tout à fait à point. À ce moment-là, les directeurs du Montreal Ski Club ont décidé de recruter un instructeur. C'est en 1911, Émile Cochin, qui était un militaire, qui était un instructeur de ski dans l'armée suisse, arrive à Sainte-Agathe avec des skis. Et là, commence à enseigner non seulement aux clients du Laurentian Hotel, mais aussi aux membres du Montreal Ski Club. L'affaire va bien, mais 1914, c'est la guerre. C'est la guerre et Émile Cochin perd son emploi. Il s'en vient à Montréal et est engagé, parce qu'il est suisse, à une bijouterie. Dans son séjour à Montréal, il rencontre son épouse, celle qui deviendra son épouse, Léa, et ils se marient. 1915, il décide de louer, aux limites de Sainte-Adèle et de Sainte-Marguerite, une maison ferme qui appartient à un nommé Robinson. Et là, son idée, c'est d'en faire un endroit pour les skieurs. Il trouve l'endroit tellement beau, tellement bien, qu'il l'achète. Il l'achète pour 500 $ alors que ce terrain-là couvre 500 acres. Voilà Cochin établi aux limites de Sainte-Adèle et de Sainte-Marguerite. En 1916, Émile Cochin ouvre son auberge. Ce sont les membres du Montreal Ski Club qui seront ses premiers clients. Et Cochin va devenir un des premiers endroits dans les Laurentides à offrir le gîte, le couvert et aussi des leçons de ski. On dit que son épouse, Léa, a introduit dans les Laurentides la raclette et la fondue suisse. Émile, de son côté, va tracer des pistes de ski de fond qui vont relier le chalet Cochin à toutes les municipalités environnantes, Val-David, Val-Morin, Sainte-Marguerite et Sainte-Adèle.
En 1920, le feu détruit son auberge. Loin de se décourager, Émile Cochin reconstruit son auberge et là, il continue à améliorer ses services. Il trace des pistes de ski alpin. Il installe, si vous voulez, ce qu'on appelle un gibar, qui sera le premier à l'utiliser. Et troisièmement, il installe des sauts en ski. Par conséquent, il est capable d'offrir différentes façons de faire le ski. Émile Cochin ne se réduit pas simplement à des activités hivernales. Pour conserver sa clientèle, on organise des activités estivales. En particulier, on encourage les visiteurs à jouer au golf, à jouer au tennis. Même, on tire à l'arc, on tire à la carabine. On pratique des sports nautiques. On creuse même une piscine où on fait des concours de nage, des concours de plongeon, etc. On dit même que lorsque c'était la fête de la Suisse, le 1er août de chaque année, Émile Cochin réveillait ses pensionnaires à coups de fusil. Et de là, c'était organisé toute la journée. Il y avait des festivités qui duraient jusque tard dans la nuit. Émile Cochin n'a pas été simplement un hôtelier. Avec d'autres, dont M. Wheeler du Grey Rocks, il a organisé la Laurentian Resort Association afin de promouvoir le ski, mais non seulement le ski, mais le tourisme dans les Laurentides. Parmi leurs, si vous voulez, réalisations, ils ont contribué à faire ouvrir la route 11, aujourd'hui la 117, au cours de l'hiver. Ils ont aussi contribué à mettre sur pied les trains de neige. Et même M. Cochin est allé à New York à un moment donné pour organiser une foire, dans l'organisation d'une foire, pour attirer le tourisme. Bref, Cochin a fait beaucoup pour la communauté laurentienne.
À la fin de la guerre, Cochin va céder son auberge à ses deux fils. Cependant, l'ouverture de l'autoroute et la popularité grandissante de l'automobile vont faire que sa clientèle va diminuer tranquillement. Après de nombreuses transactions, l'auberge fermera ses portes en 1988. Une page d'histoire était terminée. Par son implication, Cochin a été un ambassadeur pour le monde du ski. Non seulement un ambassadeur, mais il a aussi, si vous voulez, contribué à l'économie des Laurentides, plus particulièrement l'économie hivernale. Enfin, on peut dire que Cochin a réussi et on lui doit, si vous voulez, en particulier, la démocratisation de plus en plus grande du ski, qui est devenu, au cours des ans, un sport très populaire que toutes les couches de la population pouvaient pratiquer.